Ok. Bah, chat, du coup, bah, bonne chance à tous. On est parti pour la session d'échauffement. Et puis voilà quoi. Let's gong. Rotation de la tête, comme d'hab. Hop. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Hop. Allez, sur les côtés. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ensuite, les épaules. Hop, de l'autre côté. Et 10 et une de plus. Les poignets. Un, deux. Cheville. T'as pas moyen de te programmer les timers sur un stream deck ou quelque chose du genre pour quand tu seras seul? En vrai, ça serait pas mal, ça. Ouais, mais malheureusement, c'est pas possible. On avait avant un truc, mais il y a tellement de timers que... Ouais. En fait, on pouvait pas avoir tout ce qu'il faut. Là, le site qui a été fait par Griff fonctionne bien. En fait, ça nous permet d'avoir un peu toutes les fonctionnalités qu'on veut. Mais il n'y a pas, malheureusement, la possibilité de lier avec le Stream Deck, le site. Pour le moment. Sinon, vous pensez bien que je l'aurais mis. Ah, il manque un petit truc, juste. Oh. Je vais te le rajouter dans ta liste. Qu'est-ce qu'il manque? En parlant de Stream Deck. Faut que tu appuies sur le filtre. Ah oui, c'est vrai. Hop, voilà, c'est fait. Ok, on est parti pour la série. Les Jumping Jack Chest Expansion Burpees x5. Je vais quand même mettre les gants juste avant de faire ça. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud. Les petites Juicy et les potes Juicy potes. MG. Les choupis, quoi. Les choupis. C'est mieux, les choupis. On a trouvé le truc. Hop. Hop. Allez, les gants. Ça, c'est fait. Allez, on est parti pour les deux séries. Donc, 15 Jumping Jack. Et 15. Hop, le chest expansion. On va bien derrière. Les joupies. Le jou, c'est les joupies. Et 15. 5 burpees. Hop, on se retrouve. Et 5. Et on part sur 2 minutes. Pas du tout. Une 30. Du coup, c'est ça. Ça part. Bien sûr, Nexium. Mais en gros, quand on avait la fonctionnalité sur le Stream Deck, ça posait plus de problèmes que ça en résolvait. Et par exemple, en fait, je pourrais lui mettre, vu qu'il est tout seul. Mais le Stream Deck, en fait, contrairement à beaucoup de choses sur le PC, j'ai zéro accès dessus. C'est-à-dire que quand je suis en régie, je peux pas lancer les trucs. Mais je pourrais le mettre en place pour les vacances. Salut Arion. Ça fait un moment que je suis pas venu ici, mais depuis quand je joue, ça a des triceps qui font la tête d'un appart parisien. Du coup, c'est quand même petit, j'ai envie de te dire, mais bon, tranquille. C'est gentil, merci beaucoup. Mais après, pour te dire, Nexiam, l'interface du site internet pour les timers... Elle ressemble au Stream Deck, hein. C'est juste qu'il a juste à cliquer sur le timer. Hein. Ah oui, c'est du clic, hein. C'est du clic.
Donc ça revient au même que le Stream Deck, parce que même le Stream Deck il devra se déplacer. Sauf le mettre sur son téléphone quoi. Allez, on va repartir sur une série du coup. Allez, non. Allez, en position. Allez, 1, 2, 3. C'est 15. Allez, burpees, on monte. Ok. Pour 1 minute 30. J'ai comme ça. J'ai pas vu l'évolution, du coup transition évidente pour moi. Et bravo pour ça, hyper impressionnant. Merci beaucoup. Et rien, si jamais ça te tente, tout est sur Twitter. On avait fait un petit post même sur Insta ou quoi, si jamais l'envie te prendre de voir. C'est sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à follow. Donc. On va partir du coup sur la suite. Dips bar parallèle. Pompe serrée, pompe large. Hop. On va venir installer le matériel, donc on est sur toujours 6x6, 6x7. Attends, mais pourquoi on a mis un plus 1 là? Il était déjà là la semaine avant le hit, juste le plus 1. Arrête d'essayer de gratter. Merci Polo pour ton resub. Ça sera combien de récup ça? C'est... Ok. C'est 30 ou 60? Attends, 30. Ça sera 30, c'est ça? RK. Non mais regarde sur le truc. Attends, mais il est passé où mon chrono? Oui, mais ça dit entre 30 et 60. Là-bas. Ah oui, merde. Ok, bah t'as ça. Là. Ok, 35. Donc c'est celui-là. Ok. Ok, on est parti, chat. Donc 7. J'espère que vous l'aiderez, chat, hein, pour les timers. Sinon, au pire, il les comptera de tête. Hein. Ok. Et une. On lance. Essaye de gratter. J'essaie pas de gratter. Et merci beaucoup, Yadaka. Yadake! Farel, c'est nous qui nous avons fait nos programmes et avec l'aide de notre Jedi. Voilà. Xoyor dans le chat. Jedi, Xoyor Jedi. Merci Tsukiblo pour le 5e mois, merci beaucoup. Ça me fait toujours rire ton pseudo. Merci pour le Prime. Ah. Allez. Y a Dak, l'odeur dans l'appart. Juice, il aère la pièce quoi. Donc y a pas de souci d'odeur. Ah non, ça pue vraiment chez moi là. C'est un truc de fou. C'est ingérable. C'est ingérable, ça pue trop. Ma copine m'a quitté à cause de l'odeur là, j'en peux plus. Elle en pouvait plus. Ça sentait la vieille chaussette transpirante. À 33 ans, je déteste faire le ménage en plus de ça, donc c'est terrible. Je vis dans la crasse. J'adore vivre dans la crasse. Oh le train. Merci Itachi pour le 9e mois. Merci pour le Prime. Bonjour, bonjour.
Ah. Ok. On est parti. Tous ces célibes. Non. Il est marié à ses biceps. Je suis marié à mon corps. Ouais. Mon pseudo te fait rire, ça me va. C'est pour toutes les fois où je suis mort de rire sur tes lives. Parfait, Tsuki Plo. Nickel. Ah. Ouf. Hop. Ok. Allez, ça part, 35. Après, je suis en train de me dire que ça sera encore plus fatigant parce qu'il faudra que je parle, moi. Ah oui. Je vais mettre les mots d'eau avec mon vocal, hein. Ah. Ok. Allez. Ça va, je t'ai pas laissé en vacances pendant une semaine de hit. MG. L'horreur. Ok. Je crois que c'est la dernière. Ouais. C'est la dernière ou pas? La prochaine, oui. Ok. Et quand ça arrive à 6, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Là, c'est la pause entre la 5ème et la 6ème. Ok, ok. Ok. Et t'inquiète pas, Josh, j'ai clairement confiance au chat qui va te dire que t'en as loupé une des séries, hein. Ça, ils vont pas te louper sur ça. Ouais, ça m'arrange, hein. Ça m'arrange clairement, comme le disent. Ok. Je range ça vite pas. À ton timer avant. Oui, mais... C'est combien? C'est 2 minutes? Non, c'est 60 du coup. Entre les exos, c'est le premier time. Ok. En gros, bon, y a le repos entre les exos, et t'as le repos entre chaque partie. Entre chaque partie, c'est 2 minutes. Entre les exos, c'est en fonction des exos, entre 1 minute et 1 minute 30. Ok. Le chat qui dit, ensuite on est corruptible, on peut être arrangeant. Oula. Allez, on est parti pour les pompes. Les Hello pompes Kodak. Serrées. Je viens juste de faire les dips. Ah putain. Ça va? Ouais, j'ai. Derrière là. Tranquille. Merci Hugo pour le 9ème. Yes, un peu de sport force à toi. Merci beaucoup l'ami. Allez, on est parti, 6x7 du coup pour les pompes serrées. 32. Oui, en plus il y aura Xoyor dans le chat, donc si Juice loupe une série... Oh, voilà. Je me ferais quand même engueuler. Hein. Ok, du coup on est sur pareil, hein, c'est 35. 35. Ah, 35
La veine du front, ouais, la veine du front, ouais. Ah! Des couilles. Ah, merci en tout cas Hugo hein, pour le 9ème, encore une fois, merci pour le prime. N'hésitez pas, hein, si votre prime traîne, claquez-le pendant que je fais mon soir comme ça. Ni vu ni connu, OMG. On remercie à la fin. Allez, on est reparti. Ah. Eh ben merci Kakaro Tactics pour ton abonnement. C'est ton 5ème mois. Merci beaucoup. Et 7. Ok. Pharrell qui demande pourquoi 7, pas 10, pas 5, mais 7. Alors, Pharrell, je te laisse répondre. Ouais, t'inquiète. C'est très simple. C'est que Juice a commencé ces séances-là avec 4 répétitions de 6. Et toutes les semaines, à peu près, on a augmenté petit à petit. Toutes les semaines, toutes les deux semaines. Petit à petit, jusqu'à arriver à 5 séries de En fait, on est monté, je crois, juste de 4 à 4 séries de 10 ou 12. Et pour en arriver là, à 6 séries de 7. Et semaine prochaine, ce sera 6 séries de 8. Donc voilà. On augmente toutes les deux semaines actuellement. Et 7. C'est ça, c'est en mode progressif pour rajouter tout le temps de la résistance et de l'intensité en fait, augmenter petit à petit. Voilà, t'as tout dit. Sachant que les semaines avant c'était par semaine, on mettait du plus 1. Et là on fait 2 semaines. On était à 5 x 10 Big Boss hein, dernièrement. Je dis pas de conneries. Même on est monté à 11, je sais ouais, plus exactement. 5 x 12 je crois. Ok. Justement, si je me laisse aller, là, il n'y a plus rien qui va, loco. Plus de vacances, ça m'aide pas, ça, mais qu'est-ce qui a commencé à... Merci Kakorotatix en cours hein, pour le 5ème, pardon, j'avais entendu, mais j'ai oublié de te remercier aussi. Allez, l'avant-dernière. Et ensuite, on passera au large. Allez. Et 7. Allez, on va sur la dernière. 75 secs. Ah. Juste dire bonjour et merci pour les travaux. Je me suis remis au sport grâce au Rediff. Let's go Scorm, ça fait plaisir. Courage à toi l'ami, merci pour ton message, c'est très gentil. Et courage à toi, force. C'est bien ça Jarod. Allez, on est passé pour la dernière. Ok, c'est bon pour les larges. On va sur une minute de récup, de repos. Et ensuite, on passera sur les pompes larges poignées. J'espère que ça va toujours en tout cas, chat. Hein, que vous sentez la performance aussi chez vous. C'est pour ça hein, qu'on fait toujours la même chose.
pour avoir ce sentiment de fierté, de satisfaction qui vous fait, qui vous donne la hargne d'avancer. Oui, ça va, je mange un kebab. Let's go. En vrai, tu mangerais juste la viande dedans, c'est parfait. Hein. Oignon, tomate, lamelles de kebab, là, babam. Riz. Parfait. Juste parfait. Allez, 10 sec, pompe large. 6x7 aussi. Et on est parti. Ah. Et 7. On part sur 35 secondes de récupération. Comment elle fait là? C'est les... Merde, putain, tu sais le clip de... Enfin, la sportive asiatique là, je sais pas si c'est coréenne ou chinoise là, avec son ventre. C'est vrai que ça marche de fou. Hey, hey. Comment ça s'appelle? Chaque fois que je tombe des bisous d'elle, je suis en mode, il faudrait que j'apprenne à faire ça. Je connais pas ça. Non. Tu connais pas? C'est la dinguerie là-bas. Mais oui, foire. C'est ça. On dit foire, fort, foire. Mais oui, du moins, pour tu manquais de motif pour finir tes séries, t'allumes Twitch et tu te remotives, et bah c'est le but. C'est sûr que c'est le but, hein. On est là pour ça. C'est le but, les lundis et les mercredis, à partir de 18h, 18h15, c'est le voilà, début. Voilà, venez, venez, nous on est là. Venez, nous on est là. Ramenez votre cucu et venez là. Votre cul et votre serviette. Pas pris de serviette. Allez, 5 secs. Allez, go. Ouais, et n'oubliez pas votre serviette. Ok. 35 secondes, on est parti. Allez, chat, il en reste 3. Itachi, je vais mettre, avant de partir en vacances, je vais te mettre à jour tout Twitch, mais sur YouTube, tout est à jour, Itachi, quasiment. J'ai déjà fini ma séance pour aujourd'hui, mais bon courage à toi, Jus, et vous êtes à vous tous dans le chat. Merci Geoffrey, et bravo pour ta séance aussi, l'ami. Merci pour ton message. Salut Betra, Itachi. Bonjour. Ici, Itachi, si tu as point d'exclamation VOD dans le chat, en fait, tu vas être retourné sur le YouTube VOD et tu auras toutes les séances. Ça, c'est le plus à jour que Twitch. Ok. Alors je cherche sur la chaîne principale. Pour ça, je trouvais pas. Ah oui, c'est vrai que oui. Dans ce film, je viens de vous faire. Pour faire des étirements. Ah oui, là, t'avais commencé avant? T'es motivé pour faire la séance avant. Ah. Ok. Allez, on est parti. La dernière. Ok. Viens-moi, Janou.
Il t'en reste une. Ah ouais? Ah oui, il nous en reste une, pardon. Ah, je me suis donné à fond pour celle-là, dommage. Ah, tu te donneras à fond pour celle-là aussi? Pourquoi? Ok Léa, ouais pardon, tout à l'heure j'étais en... J'étais chronométré quoi. Oh non, le bait, j'ai tout donné. Ouais, Colax, ouais, 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 bah ouais, regarde, je me bête moi-même. Je suis abattu. Allez, c'est pas grave, Colax, la même. Allez. Pour ceux qui aiment les chats, et comme aujourd'hui c'est la journée internationale des chats, vous, si vous voulez, vous tapez sur Google chat et vous appuyez sur le petit bouton orange. Vous allez voir, c'est trop bien. Ah, piou! Ok. Next. Next, next. Et on est sur... du coup, c'est 2 minutes. C'est ça? Ouais, entre les trucs, c'est 2 minutes. Ok, on sera du coup sur tirage horizontal et roaming bus penché en rouge et vert. Ah non, attends. Et c'est ça. Ça s'est bien passé, Léa? T'es donné à fond? Par contre, les pompes sur les pecs, depuis que je me suis cassé les poignets une fois, j'ai l'impression ultra faible. T'as tenté de faire avec des poignets ou pas? Geoffrey. Les poignets, moi, c'est pareil, j'ai un peu peur et... Ça va un peu mieux avec les poignets. Après, c'est un peu plus galère parce que du coup, quand tu descends en dessous, quoi. Tu descends encore plus. Ça te fait travailler un peu plus. Je galère les pompes aujourd'hui, mais ça va. Ok, après c'est normal, il faut se remettre dedans aussi. Hein. La semaine dernière, on était en plein hit. Là, on repart sur du. Voilà, sur poids du corps aussi. Donc, normal, faut se réhabituer. Ça va le pire. Adopter par des élastiques. Ah, ok, tu. Ok. Meilleur truc, les élastiques en vrai. Donc là on va aller à un tirage horizontal, le dos bien droit et ça va être les coudes. Hein. On bouge pas les épaules seront bien derrière et on vient ramener les coudes. Ok. Oh putain mais c'est belles épaules là. C'est plus un triceps ça. C'est un continent là. Vas-y je m'assure parce que sinon la tête elle va exploser. Hop. Allez. Hop. Hello Sandokan. Combien il faut en faire d'RK? Désolé, j'ai pas. 7. Ok. Hop, le dos bien droit. Ok. Et là du coup on est sur RO35. On est à 6x7 pour le tirage horizontal. Sûr que j'ai raison de flex. Oui clairement Lord. C'est super pratique des élastiques quand on n'a pas assez de place et qu'on la gym est loin et qu'on n'a pas envie d'aller à la gym quoi. Ouh. Allez, roue en position. Ah. Ah.
Et 7. Okay. Ah, en fait, les salles de sport, si vous en avez une à côté de chez vous et que vous avez le budget, ça peut être intéressant. En fait, il faut juste se motiver d'y aller et tout. Pour du matos, etc. Il y a quand même pas mal de. Tu peux varier. Mais si t'as pas de choses, dis-moi, si t'as pas quelque chose à côté de chez toi ou que c'est trop cher pour ton budget et tout, en effet, le matos comme des bandes de résistance et tout, ça permet de faire le taf. Ouais. Oui, clairement. Clairement, clairement. Allez, on est reparti. Ah. Lord Gazik, la diète de Juice, c'est juste que il a il limite ses calories, en fait ses calories. C'est-à-dire que là actuellement il est à peu près à 1950 calories. Et du coup c'est juste ça, il fait attention, il a un nombre de macros, c'est-à-dire en termes de protéines, glucides, des lipides, de grammes précis, et sinon le reste il mange un peu ce qu'il veut. Attends, je mange des bâtonnets de poisson, bordel. Derka Audio, c'est quoi les vidéos avant le programme sur YouTube? Derka, je te laisse répondre à Itachi. Comment ça, c'est quoi les vidéos avant le programme? Oui, il y a le côté social de la salle de sport, bien sûr. C'est-à-dire, Itachi. Ah, les premières vidéos? Mais en fait, dans la playlist Itachi, il y a toutes les séances depuis que Juice a commencé le sport sur Twitch. Si c'est ça que tu te poses comme question. Et du coup, c'était des programmes différents qu'on a fait. Donc, il y avait des séances de hit, il y avait des séances différentes, on va dire. Ouais, celles qui ne sont pas numérotées, ouais, c'était des séances différentes, c'est ce qu'on faisait avant cette année en fait. Ok. Oui, voilà, plume de vautour, en effet. Ouais. Le social aussi, ça aide. Allez, pensez à respirer comme toujours, hein. Bibi là, c'est mignonne, c'est mignonne. Allez, Top Gun Maverick, Juice, a dépassé Titanic au box-office américain. Il paraît qu'il est vraiment bien en vrai. J'ai pas vu le premier Top Gun. T'as pas vu le premier Top Gun? Avec Non. Goose! Non, Aïe pas aïe aïe. du Il faut voir celui-là pour. Tu veux voir Top Gun, celui actuel, il faut que tu regardes l'ancien. Ah oui, non, mais ça, oui. Allez, ça sera la dernière, chat, je crois, si je dis pas de conneries. Allez, on se met en position. Et 7. Ok. Hop là. On passera sur la verte. Il y en a 1 minute.
Minute 30, c'est marqué. Une 30. Regarde juste. Et je vois. Repos entre les exos. Et ça, c'est. Azajo, ça va ou quoi? Avant le programme. Donc là, on sera en rowing bus penché, c'est-à-dire dos bien droit ici, on se penche bien et on monte les coudes. Ok? On monte que les coudes, on laisse les épaules bien en arrière. Et on vient juste faire ce mouvement. En laissant bien derrière. Ouah! Pour entendre que tu étais à 1950 calories jour, pas trop léger, c'est possible que j'ai entendu que la moitié des gens. Ah non, c'est bien ça. Oh non, 1950 calories par jour. Oh, furieux de zout. Qu'est-ce qu'il y a? Actuellement, il y a la bêta, il y a une bêta pour Diablo 4 en Friends and Family. Oh, ouais. Donc sous NDA, etc. Il y a quelqu'un qui a leak? Il y a des gens, ils ont leak. Mais en plus, c'est des leaks. C'est pour. En fait, tu sais, sur les bêta Friends and Family, t'as un watermark partout en marquant ton oui. ID et tout. Et les mecs, ils ont leak avec leur ID écrit en gros sur les trucs et tout. c'est terrible. Le cerveau. Ça n'a rien à faire. Ok, on est parti. Ah oh. Ouais. Oh, non, oui. Je sais pas si Juice t'a répondu, mais c'est... Eh, attends. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est sûr qu'on a... Il t'arrive. Ah, c'était la dinguerie là. Ça va pas changer. Tu lanceras le timer d'une minute du coup. Une minute là. Ah bah voilà, Xoyer, t'as répondu. C'est pour une sèche à Ono. Et après, en fait, le TDE de Juice est. Même si le TDE de Juice est plus haut, son métabolisme est différent. Ok. Okay. Peut-être que celle-là c'est la plus tendue ou la moins tendue, je pense. Ouais. Garde, pense bien tes mains, les paumes vers l'arrière, je pense. Merci Sowemar. Le 57e mois qui tombe, l'ami, merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Merci pour le soutien, comme d'hab, le monstre, merci beaucoup. Coupille d'acier, ouais. Ouais, ouais. D'acier. Allez. En dernière. Oui, mais je crois la dèche c'est l'été de en anglais. Mmh.
Plus tard, Léa. À plus tard, Léa. Allez, la dernière. Merci Beckendorf pour ton resub. Nous, Beckendorf. 49ème mois. Merci Beckett, super motivé à reprendre le sport quand je vois juste se défoncer au tard. Merci beaucoup, l'ami. Merci pour le resub, le 49ème mois. Et Atroxys, sort de ma séance de sport, soon des 65 kilos. Bien, nice. Ah, à 58. Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Salut Meko, merci. C'est gentil, merci beaucoup. Là, la dernière, un rowing bus penché. J'ai envie de crever, mais je kiffe. J'ai fait exprès. Tant que tu kiffes. Ok, on part sur 2 minutes, c'est ça? Ah, vas-y. Hop, next. Le curl. Et extension triceps, chat. On sait ce que c'est. Donc on va avoir bande de résistance rouge pour le curl. Et on ira... bande verte pour les triceps. Hop. Ça attend. Et du coup, on est sur 4x9. 4x9, j'ai rajouté les autres gants. D'une semaine de vacances avec abus aigu de paella, une bonne idée de tenter 3 full body histoire de rattraper ma semaine sans sport. 3 full body? Comment ça, 3 full body? Salut Juice, gros jeu avec une machine, j'ai déjà donné ton poids et ta taille. C'est pas indiscret? Oui, bien sûr, bien sûr. On est sur 1,76 pour 96 kilos. Un petit pitbull français, quoi, en fait. C'est pour enfin, le pas un boxeur français. Non. Merde. C'est un boxeur français là. Ceux qui font. Le bulldog, voilà, bulldog français là. Voilà, c'est ça. Et pour allez, ton le cœur. Pourcentage de body fat approximatif, je dirais entre 15 et 20%. Ça sèche, mais il y a encore du travail. Et une. Bordel. Ah. Merci Mousse. C'est gentil. Je vois que ça va gratter de la pause pendant que je serai pas là. Oui, tu fais, Dungeon, tu fais. En vrai, si tu te sens prêt et tout, tu peux faire 3 séances. Hein, Juice? Oui. Le chrono?
Ah mon... Ah pardon. C'est une minute. Ah. Pardon. Heureusement, sans testo à 75-95 sec, c'est pas possible. Hein? Comment ça? Sans testo? Tu veux dire pesto parce que je suis italien? Les pâtes sans pesto, tu veux dire? Peut-être qu'il parle de Fred. Peut-être. Pas de testo. Juste sans pesto, c'est comme Choupi sans enfin bref, sans doudou, c'est ça. Quelle onde sans pesto. Ça me fait marrer comment il s'en porte tout de suite. Ah bah après oh, tu mets pas de pesto sur tes pattes, c'est bizarre quand même. J'ai eu l'occasion de goûter un vrai pesto made in Italy par une petite mémé. J'ai jamais goûté ça en France. De toute façon les mémés elles ont tous leurs secrets. Hein. C'est ce qui fait de toute façon la différence entre manger chez l'habitant et manger au restaurant. Allez. Encore deux. Du coup, tu viens me matraquer si je dis que j'ai jamais goûté à la sauce pesto? Non. Pas aucun problème. J'imagine que t'as déjà bouffé une carbonara avec des bouts de jambon dedans. C'est de la crème fraîche. Enfin bref. Ah. C'est déjà foutu pour toi. Oh là là, ce pec qui vole là. Boum. 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 Ah. Même le pec là, il a une barre en fait quand je fais ça. Ah, il monte. La carbo Panzani, putain, c'est honteux ce que t'es en train de dire, j'ai envie de te ban. Les gens qui pensent que Panzani, c'est italien, quoi. Et que Barilla, c'est la meilleure marque de pâtes d'Italie. Ouais, il y a des pâtes qui coûtent, qui sont mieux, des pâtes sèches, du coup. Barilla, des tchecos, c'est tout. Arrête, là. C'est un nom italien, ça va forcément de là-bas, bien sûr. Il n'y a bien pas sûr, de débat entre pâte fraîche et pâte sèche. Hein. Salut, dis-moi une petite question. Le stream est devenu ton activité principale, l'ami? Oui, oui, oui. Oui, depuis un petit moment. Depuis un petit moment. Mais il faut continuer à soutenir. OMG. Ah, allez, la dernière cœur. Ça dépend ce que... Comment vous les utilisez, vos pâtes? Pour certains plats, des pâtes fraîches seront plus intéressantes. Pour d'autres, les pâtes plus comme vous achetez habituellement seront mieux. Mais il y a des pâtes mieux, meilleures que d'autres en termes de okay. Marque, en effet. Merci Mousse. Merci Mousse, c'est trop sympa. Merci beaucoup. 2, 1, 1. 2
2. Après, si tu veux une, c'est ton problème. Merci beaucoup, Mousse. C'est très gentil. À quand une émission de Juice Pat? J'aurais plus de place en vrai. Fais ça avec ma mère. J'ai envie de faire ça avec ma mère en vrai. Y'a bien pire ceux qui pensent que Domino's c'est des vraies pizzas. En vrai, Domino's c'est bien mieux que certaines pizzas, mais je dirais pas que c'est. Enfin, c'est pas. Enfin, pas F-tier en vrai. C'est juste, c'est eux quoi. OMG. Un tier list des pizzerias. Tier list des pizzerias? En vrai, non. En vrai, non. Bien, le subathon de Juice. Une série de 10 au choix par sub, ça fait beaucoup. Hein. Une série de 10 au choix. Une série de 10 au choix, vous êtes fous, vous. Chez Del Arte. On fait la pâte maison. Ginger, c'est quoi? C'est un resto, ça? Ouais. C'est un resto, faut me le dire. Montpellier? C'est une chaîne. Ah. Je crois s'il parle bien de Pizza Del Arte. Ah, je me suis fait mal, j'ai un bleu, là. Ouais, t'as un bleu, là. Regardez, ouais. J'ai un bleu, là. Waouh, ça a gonflé, regardez, il a une bleue. Ah, j'ai un bleu, je me suis fait mal. Moi aussi, regarde, c'est fait maison. Aïe, aïe, aïe. La pâte, mozzarella. Alors attendez, il faut que je tourne ma cam parce que sinon vous allez rien voir. On va aller faire les triceps. Allez. Forever and ever. Ever. Ok. Allez, 4 secondes du coup triceps, on est 4x9 aussi chat. Hop, on vient bien ici. Hop, on bombe le torse. On contracte les abdos. On vient ici, les coudes bougent pas. Et boum. Et on retient la remontée. 2. Ok. Oh non. Brille Pizzaiolo, je trouve incroyable. Mais en vrai, vous savez. Bientôt le soutien-gorge pour les pecs. Bientôt en vrai. En vrai, je connais pas énormément de pizza, de fast-food pizza ou ce genre de conneries. Je connais Domino's. Et je connais Papa John, c'est tout. Le reste, je connais pas. Les seules pizzas que je mange bien, il y en a une à Palavas qui est magnifique. C'est le Il Pizzaiolo de Palavas. T'as jamais mangé? Ok, si tu parles celui-là de Palavas. Pizza Hut ou du moins des choses comme ça, Speed Rabbit et des choses comme ça, t'as jamais mangé? De quoi? Les chaînes comme ce, du coup Speed Rabbit, Pizza Hut et tout, t'as jamais mangé? Non. Il y a un pizzaiolo à Palavas qui est insane. Il y avait un truc sur la com, c'est des potes à mon père aussi qui tenaient une pizzeria, mais je suis jamais les manger. Mais je crois que c'est celle que tu dis là. Ah, il te dit que c'est Il Pizzaiolo, c'est vers la comédie, je crois. Si c'est derrière le théâtre, c'est les potes à mon père. Épaule bien en arrière. C'est derrière le théâtre du Quorum. Ça peut être la pizza des potes à mon père. Pizzeria La Casa à Montpellier, elle est incroyable. Je connais pas la main. Mais en vrai, franchement, si vous voulez tester, je vous dis après. Pas la vache, en face du mini golf. C'est Il Pizzaiolo, je crois aussi. C'est que des Italiens et c'est trop trop bon, vraiment. Que ça soit au niveau des pâtes, des pizzas, les ingrédients sont fous. Et à Mugio, il y a un mec qui s'est mis sur la place de la mairie. C'est archi bon aussi, ces pizzas.
C'est les deux seuls où je vais manger. La case à Kili, c'est dans le quartier Boutonnet. Boutonnet. Il y a un truc du coup, je crois que c'est. Je me demande même si c'est. C'est au-dessus de. Après, il y a aussi à Rive du Lez, le Hall du Lez là. Il y a à Tavre là. En vrai, c'est pas mal. Allez, Poitiers pas la base, let's go. Hop. Et Il Pizzaiolo, c'est à côté de la préfecture de l'Hérault. Ok, je vois, je vois. Moi, je connais pas du coup. Ah. Bah, non, Lord Gazik, en fait, ça dépend de la pâte. Vu que, avec des bons ingrédients frais et tout, c'est pas si mauvais que ça niveau santé, hein. Faut juste faire attention à la pâte. Oui. Combien tu manges, etc. Mais oui. Tu peux clairement choper une pizza en bas, là, la supérette par exemple, en A, la lettre A, ouais. Et avec de la viande et tout, ça dépend ce que t'as dessus. Et tu regardes, par exemple, la dernière fois, je mangeais une pizza 400 grammes, c'était 400 et quelques calories, tu vois. Et genre au niveau de mon application, j'étais bien partout. C'est ça, c'est surtout la pâte qui est full glucide. Mais non, en vrai, le Nutri-Score, voilà. Je préfère prendre une pâte, vaut mieux prendre une vraie pizza faite avec des ingrédients frais plutôt qu'un même Nutri-Score A. Oui, ça, mais voilà. C'était exemple, si jamais t'avais envie d'une pizza et que t'avais pas envie d'aller chercher un truc là maintenant au resto, quoi. En fait, oui, si tu manges pas une pizza raclette, t'es ok, quoi. Si tu manges une pizza kebab sans la sauce blanche et je sais pas quoi, là, avec des frites dessus, c'est bon. Non, Crévard, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Crévard, c'est bon, ça va aussi, oh, c'est bon. Je veux bien lire des choses, mais là, c'est bon, j'aurais dû plus mon chat, maintenant. Ouais, oui, c'est ça, ça veut dire que l'huile d'olive c'est D alors que c'est d'huile, oui, non. Il y a plein de choses comme ça où c'est des trucs où le sel c'est trop salé. Oui, le sel c'est trop salé. Le sel oui. C'est trop salé. Si vous savez, le sucre aussi c'est trop sucré en vrai, c'est un truc de fou. Et du coup, non, mais lisez les ingrédients et informez-vous sur les ingrédients, c'est le meilleur. C'est la meilleure. Attendez, chose. J'ai un souci avec mon truc. Ça. Ok. Ouais, vous ferez attention si vous buvez. Bah voilà quoi. Vous allez boire. OMG. L'huile de coco, c'est E, mais c'est de l'huile. Ça, c'est fou, ça me rend fou. Ma pizza préférée ? Alors, la best, c'est pour moi, c'est la calzone. Mais sinon, comme je dis d'habitude, quand je vais dans une pizzeria, avant de commander une calzone, j'y vais une première fois pour manger une margarita. Simple. Avec de la bouffa là-dessus. Et s'ils ont pas ça et qu'ils la font mal, je cherche même pas à avoir la calzone. Parce que déjà, si tu réussis pas à faire une margarita et que t'essaies de faire une calzone... On a fini là ? Oui, on va s'étirer maintenant. On va s'étirer, chat. On va s'étirer. Mais oui, moi, quand je découvre une pizzeria, s'ils savent pas faire une pizza margarita simple, alors qu'il n'y a pas de viande dessus et tout, hein. Par exemple, manger une margarita, c'est chiant parce qu'en fait, tu manges beaucoup de pâtes, tu manges beaucoup de sauce, tu manges beaucoup de mozzarella, mais il n'y a pas de viande. Du coup, t'as faim derrière. Ah, donc, la session sport, c'est tous les lundis, tous les mercredis à partir de 18h. Oui. Du coup, on est maintenant sur les étirements. On sera sur 30 secondes. Donc side stretch les amis, comme d'habitude. On va start et se mettre en position directe. Donc soyez prêts, ok. Je vais lancer. Margarita version italienne, samosa et feuille de basilic. Tire. Ouais. Juice, tu peux lancer la version 35 secondes, comme ça t'as le temps de te setup. C'est vrai, on va faire ça.
Bah, c'est pas fini, on a les étirements. Après les étirements, je vous montrerai. Mais mettrai le lien. La mozza que tu manges, c'est une mozza avec, avec de la mozza, on est d'accord? Oui. Ok, là, non, mais là, Tinti... Tinti disait sans mozza. Non, il y a toujours de la mozza. Oui, il y a de la mozza, mais je vois ce qu'il veut dire. Il y a de la mozza de base, hein. Mozza, en Italie, la sauce tomate, il y en a des tonnes dessus. Il y a une cagette de tomates sur les pizzas italiennes. Tu vois, genre, mon père, là, enfin, ma famille est allée dernièrement. Une pizza avec une boisson d'un litre, 5 euros. 5 euros. Juste. Ah putain. Et ouais, ouais, bah ouais, y'a pas d'RK avec moi là. Y'a pas d'RK. Attends, c'était là-bas, ouais. Hop. Non, l'inverse. Putain. Je vais pas y arriver tout seul. Je t'ai joint. Merci à tous les gens qui follow. Oui, merci, beaucoup. Vous êtes beaucoup. Hein. Beaucoup de follow. Je vais tous vous citer après, les amis. Merci énormément. Que vous soyez abonnés, viveurs de l'ombre, ou même bah, nouveaux arrivants. Bah, merci en tout cas de votre soutien et d'être sur le live en tout cas. Hop. Merci à OK, NGZ, Arnaud Jumeau, Swalen, Taralex, Reinhardt et Septime. Merci beaucoup à vous, les amis. Du coup, on va passer sur. Cervical, on boude. Hop. Les épaules bien droites. On vient tirer un petit peu les cervicales si certains ont trop travaillé dessus alors qu'il fallait pas. Sur ne pas se blesser. Perso, quand je mange ou quand je commande des pizzas, moi c'est toujours une pizza avec de la viande dessus. Ouais. Une pizza hachée, hein, c'est très bon aussi. Hein. Moi, des fois, c'est quoi? C'est. Poulet, faut que la pizzeria sache le gérer sinon il est trop sec. Mais genre, merguez, poulet, viande hachée, s'il y a les trois sur la pizza, c'est parfait. Ok. Hier, j'étais pas prêt, juste. J'ai mangé une sur pizza. Les côtés. Ouais. Avec de la... Ils ont mis de la sauce salsa dessus. En gros, il y avait la base... pizza faritas ou quoi? Non, il y avait la base tomate et tout. Avec merguez dessus, je crois, et viande hachée. Et il rajoutait aussi de la sauce salsa dessus. Et ça ajoutait du piquant. C'était différent. Je dois avouer que la dernière fois, moi, j'ai vu une pizza sauce burger. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses des... Non, Juice. Oui, mais du coup, Juice le timer. Ouais, ouais. Tu fais rien, en fait, aujourd'hui, c'est ça? Ouais, non, je fous rien aujourd'hui. Il est devant son PC, là, en train de farm sur le Stark, là. Même pas. Merci beaucoup pour cette chance et ce soutien. La playlist au top. Je vais à tous. Merci beaucoup, Pimousse. Ah. Ok, on passe sur les biceps, allez au sol. Hop, on va vers l'arrière. T'es allé voir un médecin, Klosterbra? Ah! Je vous laisse lui dire, chat. Je vous laisse le dire à Juice qui manque. Ah, le cobra. Je vais faire le cobra. Cobra. Allez, ça part. Ah. Hop là. Mm-mm.
Ok. Ensuite, les triceps. Super bien, si tu veux faire la mano. Ouais, ouais. On vient choper le coude. Hop, on le tire. Mais ouais, en tout cas, pour ceux qui arrivent là et que vous êtes intéressés, point d'exclamation sport, j'ai vu Rain le faire. Vous avez un jeu d'or qui avait plein d'explications dessus. N'hésitez pas à poser des questions sur le live ou même sur le Discord, sur Fitness et Bien-être. N'hésitez pas à follow le Discord aussi. C'est gratuit. Et les réseaux sociaux en général. Hein, ça aide énormément à JustTV en tout cas. Mais n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Merci Zayla pour le follow. Bienvenue à toi aussi. Hop. Allez, l'autre côté. On l'attrape. Super, ça va pas durer trop longtemps. La saison reprend mi-septembre. Ah bah ça. Mais là, nous, par exemple, là, ce matin, j'ai appelé un médecin du sport. Elle m'a dit qu'elle prenait plus de premier rendez-vous, qu'il fallait directement aller à l'hôpital pour prendre rendez-vous avec elle pour une... Je suis en mode quoi ? Ça doit avoir trop de personnes, en fait. Ouais, ouais. J'aimerais bien aller voir un petit peu, faire un check-up complet, je pense. Ce serait pas mal. Et cette petite douleur au sternum à chaque fois, là, quand... depuis les dips, depuis les pecs du haut, là, je sais pas trop. Faire, hein. Et, les amis, on termine par les épaules. Let's go. Allez, on l'attrape. On la tire vers soi. Ah. Et souvent comme ça en vacances, les cabinets privés sont fermés. Il faudra voir peut-être après les vacances ou je sais pas, mais en vrai j'aimerais bien repartir un ostéo là ou un kiné un bon. Histoire de me refaire travailler un peu le corps et tout là, ça fait un moment que je suis pas retourné. Je t'ai envoyé deux trucs. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu. Bonjour Kirasu. Je vois qu'il y a plein de petits nouveaux, c'est sympa ça. Hop, merde, j'ai oublié. Hop, on change. Hop, et c'est parti. Bonjour, bonjour. Salut Zaya, comment ça va? Bonjour. Ok, allez, on relâche tout, c'est terminé, le clap général, bravo à ceux qui ont refait la séance en tout cas, bon retour sur notre 31ème semaine, début de cette semaine, c'était la dernière de DRK avant qu'ils partent en vacances, mercredi OMG, aïe aïe aïe. Ouais, ma dernière avant que je parte. Voilà, c'était sa dernière avant qu'ils partent. Il n'y aura pas le coach, ça va être dur le vendredi. T'as bien géré, hein. Voilà, t'as vu. C'est pas si compliqué que ça. En vrai, ouais. Tu peux dire que je fous rien, hein. Je fous rien, en vrai. Hein. Bref. Merci beaucoup pour la session, je reprends le sport, ça me fait du bien. Je vais aller voir sur Discord pour plus d'infos. Oui, n'hésitez pas. En tout cas, si ça vous intéresse et tout, ne vous inquiétez pas. Donc le lundi, le mercredi, point d'exclamation prog. La prog a été faite aujourd'hui, toutes les semaines. Le lundi et le mercredi à partir de 18h15, séance de sport. Point d'exclamation sport, vous avez un jeu doc complet de la séance. Si vous avez envie de vous faire des idées de séance de votre côté, vous pouvez suivre ce que je fais ou le faire de votre côté. C'est une histoire de se motiver, d'accord? Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Vous allez à votre rythme ou vous allez à mon rythme ou mieux que moi. Ok? Nous, on avance comme ça. Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez vraiment pas à poser de questions, que ce soit sur Insta, sur Twitter et sur Discord. Vous me faites une arrobase juice ou même, vous verrez, il y a des gens qui répondent directement via le chat parce qu'il y a beaucoup de sportifs, en fait. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, en tout cas, pour la séance de sport d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un moment. Et pour ceux qui ont découvert, peut-être qu'on vous verra pour les prochaines séances de sport. Ça serait bien, en vrai. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, les abdos, bien vu Théo. Bien vu, bien vu. Bravo Théo.
Alors, bravo, bravo, bravo. Tu peux couper les playlists hein, déjà. Hein? Tu peux cut les playlists. Comment ça, je peux cut les playlists? Bah les musiques. Tu veux que j'arrête Spotify là? Oui, tu peux arrêter Spotify et Prezel, t'as aucun faire. Hop. Alors attendez, je fais ça vite fait. Je fais ça. Du coup, les séances, il faudrait que je le mette sur le PC jeu là. Ouais. Hop. Voilà. Je vous mets le lien de la vidéo, on vous la mettra peut-être sur Discord ou quoi. Donc voilà, en gros, actuellement, je fais ça. Je fais ça tous les matins, depuis maintenant quelques semaines. Donc en gros, si vous avez... Voilà, c'est 8 minutes. Donc en gros, c'est pendant 8 minutes. Et en fait, tous les exos sont expliqués. Donc vous mettez par terre, là, vous mettez votre écran, vous mettez au sol, là, et ben, vous faites vos abdos au même rythme, ok? Et en fait, il y a plein d'exercices. Et en fait, vous avez deux exercices à chaque fois, ok? Et vous avez 30 secondes de récupération à chaque fois. Une fois que vous avez fait deux exos, vous avez 30 secondes de récupération. Donc, il y a plusieurs niveaux. Celui-là, c'est le niveau, entre guillemets, normal, vous voyez? Vous avez la petite montre. Et au bout de 30 secondes, ben, en fait, ça vous refait faire un exo. Vous en avez deux à faire. Matin, bon, petit pré... Je le fais à jeun. Je me lève et je le fais. Et puis ensuite, je vais prendre mon checker. Voilà. Et sachez que ça a beaucoup changé quelque chose en faisant ça. Donc je vous ai mis le lien, je le mettrai sur Discord. Dites-vous que là actuellement, en fait, j'arrive à faire ça, alors que j'arrivais pas du tout à le faire il y a quelques semaines. C'est-à-dire que, en gros, j'arrive à faire... Hop. Ça. Et ça, du coup, c'est en ayant travaillé les abdos, en fait. Et ça, je pourrais pas y arriver avant. Même par rapport au fait de me lever sur mes mains dans ce style-là. Disons qu'actuellement, peut-être, je vais arriver à me lever juste un petit peu. Non, faut vraiment que tu poses tes paumes au sol. Ouais, ouais, mais attends. Oui, je sais, mais... Attends, putain, j'arrive pas ou quoi? Merde, je sais plus comment me mettre. Je suis un gros con. Ah ouais, non, bon, j'arrive plus. Je suis trop fatigué. Bref. Mais en tout cas, au moins sur les... Enfin, je préfère sur les poignets, oui, ça me donne un peu de trucs. Et en fait, ça sera pour travailler à la... Pour plus tard. Une façon beaucoup plus hardcore de travailler les pecs. Les abdos, pardon. Voilà. Et avec des exercices sur la barre de dips. Voilà. Donc on verra par la suite comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez faire des petits abdos, c'est pas mal. Oui, c'est une question d'équilibre et j'ai pas d'équilibre, en fait. Faut que je travaille mon équilibre, clairement. Mais genre là, ce que j'ai fait sur les poignets, avant, j'arrivais pas du tout à le faire. Merci Dorexer, merci beaucoup l'ami, merci pour le follow, c'est gentil. Et voilà, en fait, c'est plein de petits trucs qui te font évoluer. Un peu comme Decide. En fait, tu vas chercher à faire plein d'exercices qui vont te faire travailler certains muscles. Et en fait, du coup, quand tu vas refaire l'exo, bah, tu vas être un petit peu plus aisé parce que tu as travaillé certaines parties de ton corps que tu travaillais mal ou pas assez. Et maintenant, tu les fais fonctionner correctement. Hein, c'est-à-dire toujours ce mouvement aussi de hop, de venir jouer avec tes hanches et vraiment resserrer un peu tout ça avec tes abdos et tout. Et ça, c'est un move qui a vraiment changé beaucoup de choses. Voilà, ce petit truc en mode mettre les hanches en avant, là. C'est vraiment super intéressant et... Vous avez des vidéos sur internet pour tout ce qui est gestuel. Et en vrai, c'est très important en sport, la gestuelle parce que bah, ça vous évite de vous blesser et de faire correctement l'exercice et de travailler exactement ce que vous voulez travailler. Donc voilà, c'est tout. Passer un rétroversé, un traversé, c'est ça. Je n'arrivais pas à trouver les mots, mais merci d'être là. Merci Supromad pour le 13e mois. Un gros bisou à toi, merci beaucoup. Et merci Koalulu pour le follow. Il y a aussi le retour de Couchounou. Merci. Merci Migo aussi pour le follow. Beaucoup de gens que tu follow, hein, peut-être des prochaines vedettes de sport sur les séances du mercredi, du lundi et du mercredi. Bonjour, est-ce que tu as un programme complet ou tu as toutes tes séances? Point d'exclamation sport, Grimonze. Il y a tout dessus.
Point d'exclamation sport, vous avez un jeu doc avec tous mes exos, toutes mes séances, le rythme à prendre en fonction de votre niveau, avec des liens vis-à-vis du fait si oui ou non vous avez le matériel. Et sur le Discord, vous avez un channel fitness et bien-être, vous avez plein d'informations dessus avec l'épinglé. Si jamais vous voulez du matos ou quoi, j'ai mis le mien, il n'y a pas de sponsor ni rien niveau sport, donc voilà, c'est vraiment juste pour vous indiquer ce que moi j'utilise en live. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, bah, ça me fait vraiment plaisir, il y a beaucoup de nouveaux, plein de gens super intéressés par rapport au sport, du coup c'est grave cool, en vrai ça me fait super plaisir. Sachez que tout est possible quand vous arrivez tout simplement à vous lancer. Hein. Je vous rappelle que moi je faisais 130 kilos il y a 2 ans, ok? Donc là, on fait 96 kilos et 96 kilos bien, j'ai envie de dire. Donc, je n'ai pas utilisé de salle, je n'ai pas utilisé de produit ou autre. Je me suis juste bougé le cul. J'ai eu de la chance que DRK me poussait derrière, que ma copine me pousse aussi à réussir vis-à-vis de ça. Et voilà, mon entourage qui est en mode let's go, quoi. Mais voilà, sachez que la motive, pas besoin d'aller à la salle. S'il y en a qui sont en mode oui, mais moi, j'aime pas aller à la salle de toute façon. J'ai fait tout chez moi. J'ai mes élastiques. J'ai un banc avec une barre droite et une barre de curl, ok. Donc voilà quoi. Je réponds à la question. Je fais 1m76 pour 96 kg. Je pense que j'ai même perdu. Je pense que je fais 95 là. Si je me pèse, je pense que je fais 95. Mais voilà. Donc écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le Discord. On jettera un petit coup d'œil dessus, de toute façon. Mais sachez que tout est possible. Et il faut se dire qu'en fait, si vous voulez voir du changement, ce n'est pas parce que vous faites 2 séances par semaine pendant 2 mois que ça va changer. C'est vraiment un marathon. Moi, ça fait quand même 2 ans que je me suis jeté dans ça. Et ça fait 1 an où on est vraiment sérieux dessus. Donc voilà, le changement, ça sera vraiment au fur et à mesure du temps. Et à votre rythme. Et surtout, il faudra garder cette mentalité de... On peut échouer pendant des exercices, ça ne veut pas dire qu'on est nul ou qu'on est trop gros. Ok, c'est ce que moi je me disais quand j'échouais. C'est juste que ça viendra avec le temps quand on aura bien travaillé ses muscles. Et c'est pour ça que le positionnement d'un exercice est très important. Voilà, n'hésitez pas à prendre des informations sur YouTube. Après, il faut avoir les bonnes chaînes, mais il y a des chaînes qui sont très explicatives par rapport à plein de choses. Et c'est super intéressant. Et ça vous fera de la culture sportive. Voilà. McDo après une séance, ça sert à rien. En vrai, ça dépend caloriquement ce que tu vas manger au McDo, quoi. Après, c'est sûr que c'est pas le truc à manger, quoi. Genre, le pain McDo, c'est le pire truc qui existe. Mais, enfin, voilà. Je suis bien dormir. Oui, sachant que... on en avait parlé la dernière fois avec DRK. Il faut savoir que le... En fait, ton corps réagit à tout. C'est-à-dire que si tu es trop fatigué, si tu dors mal, si tu es stressé... Ben en fait, ton corps va te le faire comprendre et ça peut te faire échouer sportivement et même au niveau de l'alimentation. Ok ? Donc oui, le début est difficile parce que c'est comme la métaphore, c'est un peu comme le fumeur qui va arrêter la clope pendant 2 jours et le 3e jour, il va la reprendre parce qu'il n'en peut plus. Ça sera la même chose avec le sport. Parce qu'en fait, votre corps ne comprend pas ce que vous êtes en train de lui faire, il ne connaît pas ce que vous êtes en train de lui faire et du coup, il va vous pousser à l'échec. Votre corps, en fait, au début, va vous pousser à l'échec en continu quasiment, ok ? Donc il faudra juste faire l'effort de passer outre ça. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, ça sera une habitude. Et en fait, ça sera même pas le fait en mode « Oh putain, vas-y, j'ai ma séance de sport, fais chier. » En fait, vous allez être trop bien quand ça va être le moment de faire du sport. Moi, personnellement, c'est ce que j'adore. C'est-à-dire que je sais que le lundi et le mercredi, je vais me faire exploser. Le vendredi, m'explose, tout simplement. Et puis entre chaque, vous le savez, je fais mes petites sessions de sport, comme le Tabata, par exemple, le mardi et le jeudi. Et le samedi, du coup, on fait 2 heures, voire 1 heure en fonction d'eux. La semaine dernière, on a fait 1 heure. Et en gros, on fait de la boxe en VR. Donc, jeu vidéo VR, boxe. Et on fait du 1000 calories, en fait. Donc, on fait une session cardio complète sur de la VR. Comme quoi, les jeux vidéo font transpirer, en tout cas. Et puis, voilà. Je vais arrêter de vous saouler. Et je vais laisser vous aller vous doucher. Parce que moi aussi, j'ai envie d'aller me doucher. J'ai envie d'aller me préparer à manger. Donc, merci encore d'avoir été là. Merci à tous les nouveaux followers, merci à tous les gens qui se sont abonnés, qui se sont resub. Et puis voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne après-midi. On se retrouve demain pour du jeu libre. Peut-être si jamais on jouera encore une fois à World of Warcraft avec les copains. Sachant qu'aujourd'hui on a fait 2 games de TFT top 2. Voilà, rien à dire de plus. Hein. Je pense que si jamais je vais aux The Event et que
Dès qu'on joue à TFT, on m'appellera OTP Jade. Et puis voilà. Peut-être que je surprendrai Ozzy Event. Merci Juggling, ça sera le dernier. De gros bisous à vous tous, merci d'avoir été là. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, sur le Discord DRK, à tout à l'heure. Bisous tout le monde. Passez une excellente soirée, merci encore pour votre soutien. À demain, ciao.